Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur ma little box que j'ai reçue au mois de septembre. Donc grosse déception parce que c'est la première fois que j'en commandais une et franchement je me suis désabonnée directement parce que c'est vraiment pas top du tout. Alors je vais vous montrer, donc elle se présente comme ceci. Donc bon, à la base la boîte est vraiment très très belle hein, mais ce qu'il y a dedans, vraiment grosse déception, je vais vous montrer. Donc j'ai eu une petite canette Coca-Cola de chez Jean-Paul Gaultier, enfin fait par le couturier. Donc ça c'est mignon, mais bon, on trouve ça et puis en supermarché, donc bon, puis je vois pas trop ce que je vais en faire. Ensuite, donc vous avez le petit pochon comme ceci. Donc je pensais vraiment avoir des produits assez sympas. J'ai vu qu'il y en a qui avaient un mascara Givenchy. Moi, grosse déception, j'ai eu un baume pour les lèvres à la cerise, donc voilà, je trouve pas ça extraordinaire. Des baumes à lèvres, j'en trouve régulièrement, et celui-là, pas terrible. Et j'ai eu de chez Roger Gallet un lait pour le corps, donc petit modèle, 10 ml. Avant ça, à la base, j'aurais préféré autre chose, sincèrement. Je vais l'utiliser, mais voilà quoi, pas terrible. Donc voilà ce qu'il y avait dans le pochon. Après, vous avez le petit sac comme ceci. Donc, qui est mignon. Bon, je m'en servirai peut-être pour faire mes courses, mais bon, voilà quoi. C'est vraiment pas terrible. Je pensais vraiment avoir quelque chose de mieux. Et ensuite, vous avez donc des petites cartes comme ceci. Que j'ai même pas ouvert parce que voilà, je ne vais pas en avoir l'utilité, honnêtement. Alors. Vous avez eu ceci, donc en fait c'était un col bleu et de l'autre côté blanc. Pff, franchement je ne vais pas l'utiliser parce qu'il est vraiment pas beau du tout. Donc voilà. Vous avez eu un petit bouquin où vous pouvez écrire des choses dedans. Donc ça c'est pareil, j'en ai plein et bon, je vais m'en servir, mais voilà, c'est pas terrible. Après vous avez eu My Little Couture Book, donc, qui est comme ceci. Et à l'intérieur, vous avez petites choses comme ça qui décrivent les couturiers comme ils font pendant leur défilé, etc. Donc c'est pas, enfin voilà, ça peut être sympa, mais voilà, c'est pas terrible. J'ai eu donc ceci pour décrire la canette de Coca, un petit bout comme ceci. En fait on a plus, je trouve qu'on a plus de papier qu'autre chose. Et ceci, voilà, c'était une petite voilà, pour découper des robes, donc je vois pas trop l'utilité. Voilà, donc honnêtement je conseille pas du tout cette box à qui que ce soit. Avant le principe était sympa, donc vous aviez 5 produits, là on est arrivé à 2 produits plus donc la canette de Coca. Donc celle du mois d'octobre, je m'étais dit au début je vais peut-être la garder, me désabonner après, voir ce que ça donne. Mais là, franchement, grosse déception. Donc, je ne la recommanderai pas du tout. Donc, voilà les filles. C'est vraiment une petite vidéo pour vous montrer donc My Little Box du mois de septembre. Franchement, un gros flop. Une grosse déception. À la place d'avoir donné 15,50€, je crois, j'aurais préféré m'acheter autre chose. Sincèrement, j'aurais pu m'acheter 3-4 vernis. Sans problème. Donc voilà, grosse déception. Donc voilà. Bon, donc je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.